Bonjour tout le monde, c'est Gwendal Modding, on est chaud, j'ai téléchargé, j'ai enfin ce Farming Simulator 17. C'est pas sans mal, puisqu'il m'a fallu quand même très longtemps pour le télécharger, c'est un truc de fou. J'ai encore de gros problèmes avec ce jeu, puisque je n'arrive pas à enregistrer avec action. Là j'ai téléchargé Frappe sans speed, mais c'est un truc de fou. On a, comme vous pouvez le voir, plein de mods. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. On a plein de modes. Je sais pas quoi dire. Clairement, je sais pas quoi dire. On a plein de modes. Clairement, qui nous sont proposés, inclus au jeu. D'ailleurs, je ferai une vidéo. Là-dessus. Comment télécharger des modes sur Farming. C'est un truc de fou. Voilà, clairement. On est chaud, je vais vous montrer un petit peu le jeu. Pour mes... Ce sont, vous l'avez déjà, sans doute déjà vu. On va prendre cette map là. Ouais, allez, vas-y, on va prendre ça. Oui, allez. En gros, pour tout vous dire, c'est un truc de fou. J'ai téléchargé le jeu hier, j'ai eu des gros problèmes de capture, j'ai capturé direct après mais ça n'a pas marché. Action ne marche pas, j'ai un gros problème avec Action, voilà, si vous avez la solution, n'hésitez pas à me la dire. Là je fais avec Frappe, ça marche, ça fonctionne, donc tant mieux. On est chaud pour ce FS17, la partie met du temps à charger. Prenez-moi un peu moins de temps hier, je sais pas. Bon, tant pis. En tout cas, voilà, c'est vraiment un truc de fou. Je suis vraiment tellement content. Non, on va pas faire de petit jeu. Je suis tellement content. C'est tellement beau. Voilà, ce Farming 17 est tellement beau. Quand les maps FS17 vont venir, ça va être mais tellement beau. On a un joli pick-up en plus. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Clairement, là, je sais pas trop quoi dire. C'est un truc de mad. Clairement, là... Là, on est bien, quoi. Là, on a FS17, on est vraiment bien. On va aller voir la petite ville. On va aller voir le petit concessio. Alors, je pense pas que c'est deux voies. Je pense qu'il y a une bande d'arrêt d'urgence à la base. Mais c'est pas grave. En tout cas, elle est plus vite en face. Alors, notre véhicule est limité à 100 km/h. On ira aussi marquer des paniers de basket après. Ne vous inquiétez pas. Oh putain, c'est chaud. C'est un truc de fou. Je sais pas, vous voulez voir quoi, le concessio? Allez, on va voir le concessio. Je sais plus où il est. J'ai vite fait une... Ah ben il est là, voilà. Bon, sans s'entendre, c'est pas grave. Il est là, notre concessio. Donc par exemple, si j'achète, j'ai 25 000 €. On va acheter, je sais pas, bon, on va acheter un Challenger. Je déconne. On va acheter quoi? Divers. Non. Putain, je suis tellement pressé de faire genre des, plein de trucs, genre des silos, des trucs. Ah, oh, je suis chaud. Je suis vraiment chaud. On va acheter quoi? Par un tracteur, j'ai pas assez d'argent à 25 000. Ouais. Dans le parc de tracteurs, clairement. Et puis des gros Challengers là. Vipère et. Quoi? Oh putain, mais les mecs. Oh, ça va vraiment être trop bien, je le sens. On va acheter juste un truc pour vous montrer, du style un petit truc, elle est à 800 à 600 boules là. Sélectionner. Alors on peut le louer ou l'acheter, moi je m'en fous, on va l'acheter. Oui, on va l'acheter pour 600 €. On va le récupérer dans le magasin et voilà. En fait, il est là et en théorie, je crois qu'on peut le prendre, non? Non, il veut pas qu'on prenne. OK. Bon voilà, bon, en tout cas pour vous montrer voilà que c'est un truc de fou, Le concessionnaire, c'est un truc de mad. Allez, je prends mon casque, je me le mets. Non, je me le mets. Allez. Non, il veut pas. On prend le cric. Je mets le cric. Ok. Et je prends ceci. Bon, allez. C'est un truc de fou. On peut vraiment prendre plein de trucs. Je prends la meuleuse. Allez, je pense qu'il y a des modes comme ça qui vont venir. Je sais pas, mais ça va être assez... Ça va être assez pas mal. Et on peut vendre aussi ça ici. Alors je trouve pas mal que les marquages des triggers sont pas complètement fermés. Mais voilà qu'il y ait juste 4 dans les coins. Je trouve ça vraiment mieux. Clairement.
Un truc chiant, ça va être le nom qui va s'afficher en bas. Pick up, enfin, à chaque fois que ça va s'afficher, ça va être assez chiant. Je tiens à vous le dire, donc bon, à voir. Mais bon. Waouh, c'est hyper beau. Ce jeu est juste méga beau. C'est un truc de fou. On va aller faire un peu de basket et puis on va se quitter là-dessus. Parce que voilà, c'est juste allumation du jeu. Ça se dit pas allumation du jeu, mais c'est pas grave, on le dit quand même. Voilà, c'est à l'image du jeu. Regardez, l'eau, il y a des reliefs. Il y a des reflets. C'est un truc de fou. Allez, moi j'arrive là. Allez, j'arrive là avec mon pick-up. On va prendre un ballon. Tiens, bah, il y a un ballon déjà sous le terrain. Et on va essayer de marquer des 3 points. Allez, on va essayer de marquer des 3 points. Ok, bon. Ça commence bien déjà. Tout à l'heure, j'en ai mis un du. Enfin, tout à l'heure. Où je me suis fail quand j'ai rec, j'en ai marqué un du premier coup. Eh non, ça veut pas. Ça ne veut pas. Allez, on va quand même essayer d'en marquer un. Ah mais j'arrive plus. Un truc que je trouve hyper bien fait, c'est le ballon qui a bondi. Allez, je suis bien au centre. Ah putain, pas assez loin. Le ballon qui a bondi, est-ce qu'on pourrait faire ça avec tous les objets? Ce serait stylé. Bon, je vois pas trop d'objets qui rebondissent, mais... trop loin. J'ai essayé de sauter parce que tout à l'heure, j'avais pas pensé assez loin, mais... Oula. Allez. Ouais, c'est le panier qui veut pas. Je me dis peut-être que c'est le panier qui veut pas que je marque dedans, non? Eh oui, voilà. Et aussi, j'ai essayé... Oh, putain. Alors un truc qui est mal fait, voilà, que j'ai déjà relevé, c'est qu'en fait, je peux prendre l'objet là, mais il va être hyper loin de moi. Allez, voilà. Je le pose par terre. Et genre, je vais le prendre genre hyper près de moi. Et il va être hyper près. Voilà, c'est comme ça. Et donc comme ça, on peut marquer des paniers à l'envers. Voilà, c'était la petite astuce. Ok, d'accord. Non, ça marche. Alors ça marche vraiment parce que je l'ai fait. Mais ça marche, hein. Je viens de vous le dire, ça marche. On va essayer, mais... Bon, en tout cas ça marche, ça je vous le dis. Mais c'est vraiment un truc de fou, voilà. Ce jeu est tellement beau, la petite ville. Aussi, il faut savoir que les PNJ peuvent parler. Voilà, c'est une des grosses nouveautés. Bon, forcément, il dit rien. Bon, du coup, tu parles? Voilà, vous venez d'entendre, il dit bien. Hi-ha. C'est un truc de fou. Toi, tu parles ou pas? Ah, lui aussi, il dit IA. Ok, d'accord. Toi, tu dis quoi? Voilà, toi, t'es un zombie, toi. Allez. Ok, elle est by moitié, je sais pas trop. Elle, par contre, ils ont pas beaucoup changé l'accoutrement. Ils sont toujours habillés pareil. Hello. Hello. Alors, elle, dit quoi? Elle dit hello aussi, ok. Ça, c'est vraiment pas mal. On peut prendre la bouche d'égout, non? Non, c'est assez énorme. Est-ce que on pourra voir des trucs du style... Allez, on s'en fout. Ah, c'est trop lourd. Ça. Je sais pas. Est-ce qu'on pourra avoir des petits modes avec ça? Je sais pas, mais ça va être. Ça va être tellement bien. Ça va être tellement bien. Je le sens. Je le sens qu'on va s'enjailler avec ce jeu. Aussi, on peut prendre les panneaux. Voilà. Petite nouveauté. On peut prendre les panneaux. Alors, si je les fous sur la route. Ah, putain. Je veux prendre le panneau, bordel. Putain. Allez, forcément, je grimpe dessus. Je vais pas réussir à le prendre. On va le foutre juste ici. En plein milieu de la route. Est-ce qu'il va rouler dessus le con? Attention, un con. Non, lui forcément il prend la voie d'à côté. Mais c'est la voiture qui vient là, surtout. Je me pose la question. Ah là là. Alors, donc elle non plus va prendre la voie, ok. Et elle, elle va s'en branler. Elle va rouler dessus et faire bugger le panneau. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Puis moi je vous dis à plus tout le monde pour Hello. Vraiment du gros contenu. Allez, à plus. Hello.